Et salut à tous, c'est Raphaël pour Top 4 Phone au Mobile World Congress 2014. Alors là, j'ai en face de moi sur le stand d'Acer, le Acer Liquid Z4. Donc c'est un entrée de gamme. On va commencer avec le prix tout de suite. Hein. Donc il coûtera en France 99€ normalement. Alors qu'est-ce qu'on a pour ce prix? Alors on a un écran de 4 pouces en résolution pas HD hein, puisqu'il a 480 pixels de large. La HD c'est 720, là on a 480. Pour le processeur, on a un processeur MediaTek Dual Core cadencé à 1,3 GHz. On a également 512 MO de RAM. Pour le stockage interne, on a 4 Go. Alors, pour l'appareil photo, on va voir derrière d'ailleurs, ça va vous permettre de voir le design. On a un appareil photo de 5 mégapixels avec flash. On a également en dessous l'accès rapide de l'appareil photo. On a une touche appareil photo qui n'est pas sur la tranche mais qui est derrière. Un petit peu comme sur le G2, hein, sauf que là c'est vraiment juste une touche rapide. Cette touche d'ailleurs, on va le voir après, mais permet, quand on appuie longtemps, donc ça lance l'appareil photo et une fois dans l'interface, on peut lancer des photos. Par contre, quand on est dans le téléphone et qu'on appuie sur cette touche brièvement, donc un appui standard hein, finalement, voilà, on appuie comme sur n'importe quel bouton, on peut la configurer comme, comme lanceur de n'importe quelle application. Voilà, par exemple, vous êtes dans les paramètres. Ça s'appelle Acer Rapid, vous pouvez la configurer on-off. Et donc, quand vous allez dedans, voilà, short press, et vous pouvez configurer l'appui court, donc vous choisissez n'importe quelle application, voilà, Maps, Google Music, etc. Votre application préférée. Sinon, alors, il faut savoir que ce téléphone sera commercialisé à 99€. Il est double SIM. C'est un téléphone plutôt standard, plutôt joli quand même hein, pour un entrée de gamme. Malheureusement, il est commercialisé donc sous Android 4. Sous Jelly Bean 4.2 il me semble. Hein. C'est quand même assez vieillot. Voilà. Donc on a du 4.2.2. Malheureusement. Et malheureusement, il ne sera pas mis à jour. Hein, donc c'est tout ce que vous voyez là, c'est le package que vous aurez pour 99€. Il n'y aura absolument rien en mise à jour normalement. Voilà, il n'y aura aucune mise à jour. Donc voilà à quoi vous devez vous attendre. Donc on a du 4.2, un écran de 4 pouces en 480, un appareil photo donc dorsal avec la touche d'accès rapide de 5 mégapixels. Apparemment, il n'y a pas de. On n'a pas de capteur frontal. Voilà, un processeur de 1,3, 512 MO de RAM, 4 Go de mémoire interne. Donc voilà, c'était un rapide aperçu au Mobile World Congress 2014 du Acer Liquid Z4. A bientôt.